Yo yo! Salut tout le monde! Comment ça va? Bon mardi? Oui, on est mardi. Bon mardi! Ouh! Je vais essayer de me calmer, promis. Mais c'est mal barré. Vous arrivez maintenant, tout de suite, vous n'avez pas de petit carré rouge en haut à gauche de l'écran, c'est que vous êtes en replay. Faites-moi un petit coucou du replay, que je sache que vous êtes passé. Et puis sinon, le temps de faire le petit partage, tout ça, tout ça. Coucou ma Céline, comment ça va? Et puis voilà, le temps de faire le petit partage, partager la bonne humeur. Et puis bah, c'est parti pour un make-up de folie. Coucou Mélanie, comment ça va? Coucou ma Valou, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Ouh, ici c'est un peu la folie. Coucou Caroline. Allez, je vous laisse arriver tranquille ou tranquillette. Attendez, je vais pas vous tourner de trop la tête. Hop là. Comme ça, j'essaye de faire deux choses en même temps avec mes yeux. Hop. On va liker, on va partager. J'espère que vous allez bien. Il est là. Ok. On clique. 2. Tac. Pourquoi tant d'excitation? Attends, attends. J'arrive, Mélanie, j'arrive. Coucou ma Samounette, comment ça va? J'arrive, Mélanie, promis, je te dis tout. Laisse-moi 3 secondes 12, même pas, histoire de répandre cette bonne humeur plus, plus, plus. Mais pourquoi ça c'est crypté? Vous êtes flouté ou... Enfin, je suis flouté ou comment ça se passe? Tadam! On va démarrer ça ici. Coucou Jessica! Comment ça va? Ok. Toulou. Je sais pas, je me vois verte sur le... Sur le partage, ça fait vert, c'est bizarre. Alors, on va passer ici. Allez, j'arrive. Je crois que c'est un des partages les plus rapides de l'histoire de mes lives que j'ai dû faire aujourd'hui. Hein? Ok, ici, on est good. Et donc, après, il faut que je me reconnecte ici, que je mette le petit pied. Ça y est, j'y suis presque, Mélanie, regarde. J'installe le pied. Téléphone number two. Coucou Malolo, comment ça va? Coucou Sandrine, ouh! Je vais mourir en live, je crois que je vais vraiment mourir en live. En pleine forme ma Samounette, sauf si je meurs bientôt, mais je vais essayer de pas mourir en plein live. Coucou Floriane, comment ça va? Ouh, il est arrivé! Oui, je sais, je sais. Hop, et voilà, on rentre ici. Tadam. Ouais, non mais là il faut que je coupe le son par contre, je veux pas m'entendre, je veux juste lire. Voilà! On est installé. Qu'est-ce que tu me fais, petit angle? Ouais, comme ça, c'est bien. Mais alors après, du coup, comme ça, comme ça. Oh! Voilà, l'installation est bonne. Coucou, ma Steph. Hey, Carmen, how are you? Coucou, Guy. Salut, Sylvain. Coucou, Séverine. Wouh, il y a tout le monde. Coucou, ma Jenny. Wouh! Je vais essayer de pas mourir en live, promis. Bon, coucou, Nat. Comment ça va? Coucou, Vanessa. Comment ça va? Bon, bon. Alors, par où on commence? Eh ben non, on va commencer par le début, mais en fait, on va y aller direct. Papa Noël, il est encore passé. Mais il y a des bugs déjà. Coucou Virginie, comment ça va? Pourquoi il est haut, lui, comme ça, en fait? C'est bizarre. Bon, bref, pas très grave. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Pourquoi tu rigoles, ma Lolo? Je comprends pas du tout. Hein? Bob. Pas encore, Sandrine. Bob, c'est pas avant cet été. Coucou, Céline. Comment ça va? Bob, il veut pas venir avant cet été. Je sais pas, pourtant, j'ai essayé, mais non. On m'a dit cet été. On va laisser Bob de côté jusqu'à cet été, mais il y a encore plein de surprises à arriver d'ici là. Regardez-moi ces petits trésors de la life. Oh, punaise. Et encore des nouveaux pinceaux. Je pourrais même pas vous dire si je suis plus excitée par tout ça ou tout ça. Mais non, je vous dis la vérité, c'est ça le pire. Le pire du pire, c'est celui-là, parce que celui-là, je le connais déjà. Il est là, il est où le Fluffy? Fluffy, Fluffy, où es-tu? Le Fluffy, il est là, voilà. Connaissez déjà. Ça y est, tu comprends, Mélanie. Voilà. Donc en fait, pour tout vous dire, j'ai fait la grève du make-up jusqu'à ce que le livreur y passe. Voilà. Donc, je reprends forme humaine. Comment ça, je
déraille, Émilie. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Comment ça, tu vois que dalle, Vini? Passe sur la pro. Viens sur KCA Pro. Oh, il est trop beau. Il est tout doux. Finesse, il y a un nouveau pinceau. La production est pas encore lancée. Mais oui, je sais. Ah, avril. Bah, c'est toi qui m'avais dit cet été, Mélanie. Alors du coup, moi, je me suis conditionnée de pas avoir Bob avant cet été. Si c'est avril, c'est bien. Ça peut être bien aussi. Bon, merveille numéro 1. Un nouveau pinceau tout doux. Regardez, je sais pas où. Enfin, s'il y a de la place quand même, mais je vais le rajouter avec les autres. Ah, et en plus, c'est des pinceaux. Les pinceaux, ils sont où? Ils sont avec les licornes. Je sens que ça va partir en vrille, ce live. Je sens que ça va partir en vrille. Je ne m'avancerai pas sur la réussite du make-up. Ah oui, forme humaine au minimum. Coucou ma Meryl, comment ça va? Non, mais je t'assure, coucou Virginie, comment ça va? Non, non, coucou Sarah, coucou Adeline. Non, c'était grève du make-up tant que j'avais pas tous ces petits bijoux-là. Voilà. Donc, lui, le nouveau pinceau blush, donc initialement qui existe toujours au catalogue. Vous avez celui-ci biseauté qui existe, mais celui-ci qui est nouveau, donc forcément. Une enfant, non mais attends, t'imagines pas Jessica? Oh, t'as pas encore vu ça, regarde. Bon, on va faire dans l'ordre. Donc, nouveau pinceau. Voilà, comment ça va ma Meryl? Coucou Léa. Avec ça. Donc le Q-Dos, je récap et pète, ce mois-ci, vous avez une palette nombre à paupières que je vous fais découvrir dans quelques minutes. Vous avez un blush et vous avez un pinceau fluffy. Donc vous avez ces trois petites merveilles-là. C'est valable pour les messieurs aussi, j'en ai vu passer quelques-uns. Messieurs J-11, Saint-Valentin, comment est-ce que vous allez gâter votre chérie? Voilà une petite merveille. Regardez l'état dans lequel je suis. Imaginez ce que ça fera sur votre dulciné. La même. Donc, idée cadeau pour la Saint-Valentin, vous n'en aviez pas encore. Coucou Maïlis, coucou Fabienne, coucou Carole. Comment ça va? Donc, number one, on a cette petite merveille. Cette petite merveille, elle n'est pas dans le Q-Dos, mais possibilité d'en faire l'acquisition également pour le bonheur de votre dame. Ça y est, j'ai craqué. Complet. Allez, je vous montre. On a des nouvelles couleurs. Vous voyez qu'il vient vraiment d'arriver, hein, le livreur. J'ai même pas encore enlevé le machin truc mûche ici, rien du tout. Hop là, c'est retiré. Nouveau petit blush. Donc là, j'ai pris le Surreal. Ah non, tu vas pas recommencer, ma Jenny, avec le vous. Hein. Allez, on découvre ensemble. Alors, Christina a dit, il faut sourire. Moi, je fais le poisson, général. Mais Christina a dit, il faut sourire. Mais moi, je fais le poisson. Donc, on sourit, on fait le poisson, on fait un petit peu comme on veut. Oh, j'adore. Donc là, on est sur un irisé. Non, c'est mieux avec le sourire, j'avoue. Eh non, mais en pleine forme, Fabienne, regarde. Voilà. C'est dit, c'est fait. Donc, je pourrais vous montrer à l'occasion les autres couleurs. Alors, je ne les ai pas toutes. Il y a trois nouvelles. J'en ai pris une pour les trois, une des trois pour le moment. Et il y a trois anciennes qui ont été repackagées dans le même format, même boîtier, petit boîtier rond. Voilà, petit sourire. Tidi, tidi. Voilà, blush, c'est fait. Une fois que le blush est fait, on va pouvoir ranger le nouveau petit pinceau avec les pinceaux visage, donc dans le petit polycorne qui se trouve à ma gauche. Craquage complet. C'est reparti, hein. Il y en a plusieurs qui m'ont fait la remarque. Mine de rien, ma folie sur les réseaux a commencé. Ben oui, bafouiller, mais c'est tellement d'excitation. Dis-moi que tu l'as entre les mains. Non, tu l'as pas entre les mains, sinon tu comprendrais l'état dans lequel je suis. Mais ma folie sur les réseaux a clairement démarré l'année dernière avec l'arrivée de celle-ci. Vous voyez, Moustrek Beloved. Et là, on a Moustrek Beloved édition 2. Volume, version, on appelle ça comme on veut, c'est la deuxième. Vous voulez la voir, on l'ouvre ou pas? Coucou Séverine, comment ça va? Bonjour Christine. Avec nos deux éclats de rire. Tu m'étonnes. Non mais ça me... Voilà, c'était une... Voilà, l'année dernière, déjà, on avait commencé voilà, la folie, parce que les couleurs étaient complètement dinguissimes. Je vous les remontre tant que j'ai pas... Vous avez pas l'air de vouloir la voir, la nouvelle, hein? Pas grave. Je vous remonte la première en attendant. Donc, la première palette licorne, parce que les noms étaient surreal à prononcer, d'ailleurs. C'était celle-ci, qui était là, dans celle-là. Voilà. 1, 2, 3 et 4. La version 2 vient d'arriver. Tadam ! La version 2, version 2... Oh, tu lui fais un bisou, ma Meryl. Je vous fais des câlins à tous les deux. Merci pour les petits cœurs, Fabienne. Coucou, Léa. Version 2, on l'ouvre. Non, mais j'ai cru mourir. Je vous avoue, je l'ai ouverte avant.
Et l'emballage, il est parti par là-bas. J'ai pas pu résister à l'ouvrir avant. Vous voulez la voir? Est-ce que vous voulez vraiment la voir? T'as ta douche à faire à cette heure-ci, Jessica? Ah bah dis donc. Je vous la montre. Carrément, Sandrine. Regardez ce petit trésor, s'il n'est pas magnifique. Ah, je meurs d'amour pour cette palette. Elle est juste sublimissime. J'adore. Elle est vraiment magnifique. Alors, je cache entre deux parce que du coup, la pleine lumière, on se rend peut-être moins compte du rendu des couleurs. Mais regardez ça. Donc là, on a un blanc mat. Et puis après, on est sur un dégradé de rose violine. Il n'y a pas d'heure pour la douche, on est bien d'accord. Elle est juste magnifique. Donc, il va falloir que je maquille mes yeux avec toutes ces émotions. Est-ce que je vais y arriver? Je vais mettre le scotch. On va essayer de faire un truc sympatoche quand même. Pourquoi il est parti ici, lui? Bon, comment vous allez sinon? Ça y est, Fabienne. Ça y est. Coucou, ma Fanny. Coucou, Carole. Bonjour, Isabelle. Comment ça va? Ah ouais, mais je vous ai dit, quand il y a des nouveautés comme ça, c'est grève jusqu'à ce que ça arrive. Ouais, oh thy god, comme tu dis Sandrine, oh thy god. Eh ben je veux bien te croire. Oh thy god, c'est juste de la folie ces palettes. Et puis bien évidemment, encore sur des pigments, donc autant dire, bonheur suprême. Hop là. Bon, je suis toujours pas morte de crise cardiaque en live, donc ça veut dire que ça va, le palpitant fonctionne encore un peu. Comment ça, t'en peux plus de moi? Mais j'ai rien fait, j'ai même pas commencé mon make-up encore. Mais je t'assure, ma Lolo, si tu as du temps à perdre, que tu remontes sur Facebook en février 2018, tu vas voir dans quel état avait pu me mettre cette première palette. Tous les jours, j'étais là en live. Tous les jours, j'étais là avec ma palette. Et tellement, ben voilà, comme disait Jenny tout à l'heure, à un moment donné, je bafouillais même tellement c'était de la folie qu'elle me faisait dans mon petit corps, cette palette. Et donc, eh ben, au lieu de dire les noms à chaque fois, je vais essayer de vous les dire une fois, les noms des pigments. Et puis après, ça sera licorne version 2. Et puis, c'est tout. On a le dotting, qui est le blanc. On a le wood, qui est le rose pailleté, rose violine pailleté. Irremplaçable, irreplaceable. On est sur un rose violine un petit peu plus soutenu. Et là, on est sur le Wistful. Donc, vous comprenez pourquoi ça sera licorne version 2. Le Wistful, où on est sur un... Je sais pas. On va tester, on verra bien. De toute façon, elle est trop belle. Et je pense qu'il y a des merveilles à faire avec. C'est bon, j'ai un aperçu la merveille. Bisous Fabienne, à plus tard. Coucou Emmanuel, recoucou Sylvain, comment ça va? Allez hop, c'est parti. On y va, à fond. Mais je sais pas quelle couleur je vais utiliser du coup. Ah si, je sais. Donc, on va commencer avec le fluffy. Hey, coucou ma jolie Claire, comment ça va? Donc, je vais fluffiter avec le Wistful, donc le licorne numéro 4 version 2. On est d'accord? Le 1, ça sera le blanc. Et on décale donc 1, 2, 3, 4. Licorne 1, licorne 2, licorne 3, licorne 4. Version 2, bien évidemment. Et c'est parti! Donc là, on va commencer par créer sa transition dans le creux de paupière. Que je fais généralement avec un marronné. On est sur un marronné prune, je pense, sur le Wistful. Le licorne 4, version 2. Juste magnifique. Vous allez dire, je suis pas objective, mais en même temps, non seulement c'est une palette licorne, en plus de ça, on est dans mes couleurs, donc comment ne pas être heureuse? Alors, heureuse? Complètement tarée. Oui, je sais, j'en conviens, je suis frappée dans ma tête, mais... C'est pas de ma faute. Hey, salut Karim, coucou ma cousine, comment ça va? Oui, du coup, il faut que j'ai mes yeux à deux endroits en même temps. Vous me direz, t'en as deux, mais est-ce que vous savez faire aller un œil d'un côté et un œil de l'autre en même temps? Généralement, ils partent tous les deux dans la même direction. Donc,
Compliqué. Recoucou ma Steph. Alors je sais pas si c'est que tu rentres et que tu sors, mais il y a des noms que je vois revenir. Donc je m'excuse si je ne vous ai pas déjà dit coucou. Oh, mon Dieu qu'elle est belle. Mon Dieu qu'elle est belle. Oh là 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 là, je suis fan. Je suis fan, je suis fan. Donc le fluff, vous allez pouvoir venir créer votre transition. Donc travailler votre en bas paupière ici dans le creux, bah, ça va permettre de mettre un petit peu plus en relief la partie mobile. Ça va aussi permettre de venir créer la transition quand vous utilisez plusieurs couleurs, de manière à ce que les couleurs se fondent un petit peu plus harmonieusement. Je suis fan, je suis fan, je suis fan. Je pourrais faire ça toute la journée, c'est juste canon. Hey, coucou Margie, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. Mon Dieu, la licorne version 2 est arrivée, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Tu as trouvé mieux que mes scotchs moches? Comment ça? Des pansements blancs. Bah, je préfère mon scotch tout moche. Il fait partie de ma personnalité maintenant, ma lolo, le scotch. Et puis en plus, on a le petit rituel de retrait de scotch qui va avec après, donc... C'est une habitude à ne pas perdre. Voilà, tu vois, Stéphanie, tu reviens et tu re-reviens. Re-Stéphanie qui participe. Donc re-re-re-re-re-coucou, ma Steph. Ensuite, moi, je vais faire ça comme ça. Donc, on va prendre le Iron Play Sable. Donc, licorne 3, version 2, licorne 3. Et je vais travailler à l'extérieur avec celui-ci. Oh, je suis fan. Je suis, comment vous dire que je suis archi fan. Donc là, c'est un petit biseauté que je vais venir prendre. Travailler juste à l'extérieur de l'œil avec. I'm in love. I'm in love. En pleine forme, Margie. En pleine forme. Il y a le Papa Noël qui est encore passé aujourd'hui. Le Papa Noël Saint-Valentin qui est passé aujourd'hui. Donc, autant dire que je crois que j'ai des fils qui se sont touchés dans ma tête. Et donc, du coup, c'est du grand n'importe quoi ce live. Mais surtout, ne m'en voulez pas. Coucou, ma Audrey. Comment ça va? Licorne number two. Le wood. Wooded wood. Non, il n'y a pas de D au milieu, donc c'est wood. Et là, on est sur un brillant. Oh là 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 là. Et je pense que le deuxième œil, je sais ce que je vais faire. Je ne vais point faire pareil du tout. Donc là, j'ai fait un simple dégradé, mais à mon avis, on va être sur le même délire que l'année dernière. Et donc, du coup, avec des tas de combinaisons possibles et imaginables. Donc là, pigment, vous connaissez l'histoire des pigments. Le pigment va vraiment venir s'adapter à votre carnation. Il est là, le fluffy. Tadam. Ouais, mais c'est pas ce que je voulais. Donc, on va faire autre chose sur le 2. Coucou ma Emeline, comment ça va? Coucou Aline, coucou Céline. Hey, bon anniversaire Céline. Comment ça va? Ta-da! Coucou Afida, comment ça va? Donc là, en fait, ce que je vais faire, je vais superposer. Parce que du coup, le wood. Le wood est un rose clair, mais sur ma peau qui n'est pas si claire que ça au final. Pourquoi t'as un écran vert? Ben, je sais pas, j'avais ça sur mon ordi aussi tout à l'heure, Sandrine. Alors, essaye peut-être de ressortir et re-rentrer sur le live, Sandrine. Donc là, c'est irremplaçable que je viens mettre du coup sur toute la paupière. Et le wood, je vais le mettre par-dessus. Je vais superposer en fait les deux. Où là, on est sur un rendu plus brillant. Je vais venir le tapoter. Ben voilà, comme la licorne l'année dernière qui transformait les couleurs. Là, on est sur des tons un petit peu plus chauds, j'ai envie de dire. Hey, coucou ma Sarah! Comment ça va? Ouais, ici ça fait blanc-counet, alors que ici pas du tout. Donc, j'ai trouvé ma combinaison pour celui-ci.
Et là, on va venir fluffer. Mais je vais fluffer avec encore un petit coup d'irremplaçable. Et oui, en plus, on a un beau soleil. C'est normal parce que le Papa Noël Saint-Valentin, il devait passer aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on a du soleil. Coucou Catherine, coucou Solène. Comment ça va les filles? Et bien là, on va venir superposer, c'est pas grave, même pas peur, même pas mal. C'est ça qui est magique avec les pigments. Vous en faites vraiment ce que vous voulez. Dans un sens comme dans l'autre, ça match. Donc là, j'ai reposé par-dessus. Je vais me remettre un petit coup de... Hey, coucou Sam, comment ça va? Coucou Audrey, comment ça va? Juste magique. Just magic. Just magic. I love it. Cette fille est dingue. Cette fille est dingue. C'est pas moi, c'est la licorne. Moi, j'y suis pour rien. Dès qu'il y a de la licorne dans les parages, je sais pas pourquoi ça me... Ça remonte comme ça, tout ça, tout ça, et ça me fait des effets tout bizarres. On fluffe. On vient mélanger ces couleurs l'une avec l'autre. Je suis fan. Tu m'étonnes, ma Lolo. On est bon? Prêt pour le retrait de scotch? Le rituel? 3, 2, 1. Retrait de scotch. C'est fait. On vient estomper le tout. Un petit coup de pinceau. Même pas peur, même pas mal. Tudu. J'adore. Ensuite, on va faire un petit rappel quand même. Un petit rappel d'irremplaçable en ras de cire. Coucou Arafa, comment ça va? Et là, ça fait combien? 2 jours, 3 jours que j'ai pas mis de make-up? Ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon, et dites-moi, racontez-moi un peu comment vous allez, vous? Comment vous allez, à part celle qui attend désespérément le kudo? Et là, je viens superposer le wood par-dessus. Je fais vraiment comme en haut, mais beaucoup plus légèrement en ras de cils, juste pour un tout petit rappel de couleur. Et voilà. The V avec le wood, je pense. La licorne 2. Ouais, le point de lumière. Coucou Isa, comment ça va? Coucou Cathy, coucou Babette. Comment ça va les filles? Assez clair, positive attitude à fond. Et dotting. Donc on est sur le blanc Kounet que je vais utiliser en point de lumière. Alors j'y vais mollo avec celui-ci parce qu'il est vraiment blanc. Et puis je suis vraiment noir quoi. Donc
Autant y aller mollo. Vraiment tout léger, mais préfère y aller petit à petit parce qu'il est vraiment blanc, blanc, blanc. Mais ça vient bien délimiter votre sourcil et agrandir votre regard. On est bon. Bon, c'est pas fini, hein, bien évidemment, on est bien d'accord, mais au niveau des nœuds, on est déjà pas mal. J'aime beaucoup. J'aime bien. Allez, on continue. Liner. Super bien. Yes, Isa. Canon. Oui, je sais, ma Lolo. Je sais. Mais je t'assure, c'est l'effet Kudo. Tu vas voir. Quand tu vas recevoir le tien, ça va être pareil. Si ce n'est même pire. On vient surligner, souligner tout ça. On est bon. Enfin, un petit peu haut de ce côté. Excusez-moi la tremblote, hein. Excusez-moi pour la tremblote, pardon. Myope et astigmate, tu vois pas toujours tout. Oui, je sais. Et gauchère, ma Jenny. Je sais pas si tu es toujours là. On a l'habitude. Concentration, oui, je sais. Je parle plus, ça fait bizarre. Mais il faut que je me concentre un tout petit peu pour mettre le... Pour que je mette le liner. Non, enfin... On verra pas la différence. Tu m'étonnes. Ah, j'ai fait une petite bavouille. C'est pas grave, on va laisser sécher. Ah, zutouille. Mais alors là, je sais pas du tout, Sandrine. Hop. Ok. J'ai bavouillé un tout petit chouille, mais je vais laisser sécher avant de venir rectifier. Petit trait de crayon noir en racine. Hey, salut David. Comment ça va? Qu'est-ce que tu racontes, David? J'ai parlé de Raxil. T'es arrivé à quel moment? Petit trait de crayon. Et c'est parti! C'est parti, c'est parti. Épique, épique. Et calligramme. Mon Dieu. C'est fou comme ça fait du bien de prendre soin de soi quand même. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai dit de travers encore, David? Raconte! Hop là.
Les concentrations hein, pour mettre son mascara. Mais attendez, c'est un make-up. Un make-up d'amour. Donc on prend son temps pour le faire. Hey, coucou Alexa! Comment ça va? Oui, ça fait très calme d'un coup d'un seul, mais c'est la concentration. Hey, coucou Elvan! Comment ça va? Ah, mauvaise connexion, pas cool Alexa. Si tu mets ton mascara et que tu danses en même temps, pas sûr que ton mascara soit mis correctement, mais c'est pas grave. T'es de quel côté du globe, Alban? Des bisous, ma Lolo. Merci d'être passé. Et oui, le 16 mars, on va bientôt se retrouver. Ouais, ça va vite arriver. Mais je crois que c'est le 15, ma Lolo, non? Ne mets pas le doute, s'il te plaît, Lolo. Je sais plus. Mais dans ces eaux-là, enfin, on va pas se louper à un jour près, ça serait quand même ballot. Hein. Alors ici... Je vais venir nettoyer ma petite. Hop. Voilà. Ici, on est bon. On va laisser sécher. Hey, coucou Aubépine. Oui, ça fait longtemps. Ça fait plaisir de te voir. Comment tu vas? D'accord, ok. Merci, ma Lolo. Tu connais mieux mon emploi du temps que moi. Non, mais tu sais que mamie et les dates. Non, ça va pas. Ça va pas du tout. Donc, base pour les yeux. Il va nous rester plus que les lèvres à faire. Oui, pour les yeux. Ça permet de venir apporter un effet sans transfert à vos rouges à lèvres. Plein de câlins, ma Lolo. Voilà, il n'y a rien à faire. Les petites lèvres avec le froid. Rien à faire. Ah, super, cool, Aubépine. Contente de te voir, en tout cas. C'est vrai que ça fait longtemps, dis donc. Ok. Allez, on va se mettre notre première petite couche. J'ai envie de le faire au pinceau aujourd'hui. Des fois, je le fais à l'applicateur, en raclant bien, des fois au pinceau. Bon, c'est toujours mon même amour. Hein. Celui-ci, j'ai pas changé. Toujours amoureuse du Successful. Ça ne change pas. Hop. Du coup, on est un petit peu plus léger sur le rendu au niveau des lèvres. Ah, j'aime bien cette chanson. Ce qui est top avec le pinceau, c'est qu'on fait vraiment travailler ses contours. Mais pas trop mal. Pas trop trop mal. Let's go! On va remettre une petite couche. Coucou Véro! Comment tu vas? Hop là! Alors Epic, c'est dessus, c'est dessous, c'est partout, que dessus, comme vous l'entendez.
comme vous le souhaitez. Là, je vais vraiment pousser au max sur la longueur des cils. Hop là. Deuxième œil. Et la petite astuce, c'est de laisser sécher entre vos couches de mascara. Hop là. Ah oui, j'ai pas ajusté ici. Hey, ma Sylvie jolie, comment tu vas? Non, lui il va être foncé. Qu'est-ce que je fais? C'était lui que je cherchais. Tadam. Ah si, je sais. C'est ça qui est pratique à faire pour les petits ajustements. Regardez. Stick démaquillant, petit pinceau biseauté, tac tac. Et le tour est joué. Ah, j'ai un peu touché ma pointe, mais bon. Coucou Sylvie, comment ça va? Et ben voilà, on est à peu près présentable. J'ai repris forme humaine. On finit jamais sans sa petite touche de parfum. Comment ça va les Sylvie? J'ai deux Sylvie qui sont arrivées en même temps, trop cool. Oups, on va pas faire tomber le parfum. Eh ben je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bon, on est bon. Je n'ai rien oublié. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, inutile de dire que je suis fan. Je pense que ça vous en dira pas plus que je suis fan. Hey, coucou Flavie, comment ça va? Ah, mauvaise connexion, pas cool Sylvie. C'est ça que je voulais faire. Je me demande s'il n'y a pas un petit truc de ce genre-là à faire. Par exemple... Ah, j'adore. Là, j'ai repris ma petite palette. J'ai pris la licorne numéro 2. Et vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, venir apporter un chouille de lumière pour faire comme un ombré sur le cœur de la lèvre. Et ça, je vais vous le montrer. Avec celui-ci. J'adore. C'est fun. Te revoilà. Ah, tu vois mieux. Ok, merci Véro. C'est cool. Ben moi, je suis assez fan. Au contraire, m'aurait étonné. Certes. Qu'est-ce qui va me manquer? Ou non, c'est à peu près. Hein. Alors, il y a beaucoup marqué. J'estompe un petit chouille. Je trouve un petit peu trop marqué en brillance le cœur de la lèvre, mais... Voilà les filles et les garçons, je vais vous faire des bisous. Un grand merci de m'avoir tenu compagnie sur ce live une fois encore déjanté. Mais alors là, avec ce qui est arrivé aujourd'hui, impossible de pas être complètement frappé. Je vous remontre quand même la petite merveille. La petite merveille, elle est là. Le culose du mois, la palette Beloved, enfin la licorne version 2. Vous avez connu celle-ci l'année dernière qui a été le point de départ de ma folie sur les réseaux et de l'histoire de ma vie de licorne. Voilà la version 2
Elle vient d'arriver, elle est dispo, elle est en exclu en février uniquement dans la limite des stocks disponibles. Soit vous vous faites plaisir uniquement avec la palette, soit vous fondez pour le cudo pour lequel vous allez avoir la palette, le fluffy, le petit pinceau fluffy qui va avec, et un blush au choix parmi 6 couleurs, 3 mates, 3 brillantes. Donc bien évidemment, toujours dispo, vous conseillez, affiner, ajuster au mieux en fonction de, avec la palette licorne, licorne version 2, ma Sylvie. Demain, si tout va bien. Allez, on croise les doigts, les filles. Merci, Isa. Donc, bien évidemment, toujours dispo pour répondre à vos questions, pour un choix, que ce soit de crème, que ce soit de mascara, que ce soit de fond de teint, que ce soit de poudre, peu importe. On arrive à ajuster, à affiner ensemble par message ou en visio. Et de toute façon, vous savez que vous êtes toujours, toujours, toujours couverte avec la garantie. Vous commandez, vous recevez, vous essayez. Si quoi que ce soit ne va pas, c'est pris en charge jusqu'à 14 jours. Donc, autant dire que du bonheur et risque zéro à découvrir et à se faire plaisir. Je vous fais des gros bisous. Encore un grand merci d'avoir partagé ce joli moment avec moi. Comme d'habitude, prenez soin de vous, profitez de ce que vous aimez et je vous retrouve très vite. Des bisous.